so glad that I met you, mine. I can see my future in your eyes. Love makes me high up on the sky. Mix me. Yeah. Got a lot of love to give you. I never please you, never deserve you, lady. Spend my whole life searching for you. I never hurt you, never desert you, baby. Jump along to the rhythm, so you can always be the inspiration of my life. Oh, glad you will be my future. Say, tes impressions sur ta prestation ce soir? Bah, c'est pas trop à moi de donner des impressions, c'est plutôt le public. De ton ressenti que tu as ressenti. Mon ressenti, c'est que bon, il y avait une super vibe de ouf au niveau du public, ouais. Hyper réceptif. Ouais. Comme d'habitude, hein, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on aime aussi les Cariatides et la Factory, parce que. Il y a toujours cette effervescence, ces partages avec les gens. Hein. C'est pas l'ordre du jour. Ah, okay. J'attends de voir un petit peu pour la suite. Bon, là j'ai eu 2-3 appels, des choses qui commencent à venir pour se profiler pour 2013. Okay. Donc ça risque de se faire à un autre niveau. Peut-être retour télé, discographie, c'est tout du ça. Bon. Voilà. Super en tout cas, moi j'ai apprécié même tes invités et c'était vraiment des super voix. Je suis super content, une bonne vibe. Je suis super content parce que c'est vrai que bon, c'est fait un petit peu comme ça sur le coup, c'était un peu surprise. Et ils ont répondu à l'appel, ils sont venus, ils ont mis l'énergie, ils ont soutenu quoi. Exactement, c'était super. Des grands talents, donc quand on est soutenu par des grands talents, ben, voilà. Belle lurette déjà, mais je revendique toujours mes racines et mes racines sont fortement ancrées en moi, donc du coup quand je peux les ressortir au travers de la musique ou au travers de textes, de choses, je le fais quoi, parce que c'est mon identité. Ooh.
De la musique ou tu bosses à côté? En fait là pour le moment depuis un certain temps c'est musicalement c'est que de la musique quoi. C'est okay. Que de la musique alors au sein de la facture afropéenne où en fait je suis développeur mm-hmm. Donc j'ai une chorale qui s'appelle la Stepping Jam. Ok. Super chorale avec des bons participants. Et voilà, je fais ça et en même temps j'ai aussi un atelier qui est la Factolab, qui est un atelier de composition et d'écriture. Qui permet en fait pour les personnes qui se sentent l'âme de faire des chansons, d'écrire, d'exprimer des choses, de pouvoir s'exprimer. Ouais. Nous on les aide, on les accompagne dessus, en même temps pourquoi pas développer un peu les textes et d'amener des choses. Donc moins live pour moi dans la mesure où les choses seront posées à plat sur disque et travaillées, vraiment j'aurai une vision plus claire et bien amenée qui pourra ensuite me permettre de créer vraiment un univers musical au niveau du live après. Mm-hmm. Donc c'est vrai que là c'est plus dans le rapport disque, quoi. Okay. Maquette, travail, etc. Puis après on va essayer de... d'inonder un petit peu les nets et tout ça. Bon, enfin, on n'est vraiment pas là encore. Là, on est dans du work in progress. On essaye de tout mettre au clair, notamment au niveau des textes. Okay. Et après, bon, du développement aussi au niveau de voix, au niveau de personnalité. Enfin, tout le travail d'artiste, quoi. Enfin, voilà. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui voudraient vivre de la musique? Le premier conseil, c'est déjà si vous avez envie de faire de la musique, allez-y, parce que au moins vous ne le regretterez pas, mais vous verrez aussi la réalité du métier. Il faut s'armer, il faut se préparer, et c'est bien de s'informer au maximum. Avec la Factory, vous avez la possibilité de venir voir en partie de quoi c'est fait, puisque on fait des jam sessions, on présente des choses, donc ça vous permet de voir des artistes sur scène, de voir comment ils se développent, comment ils travaillent, et ça donne clairement des idées souvent, puisque on a vu même des gens qui venaient pour la première fois, n'avaient jamais osé chanter, et se sont mis de par les jam sessions à commencer à chanter, à vouloir même intégrer la Factory afropéenne, pouvoir développer un petit peu leur potentiel. Donc c'est vraiment ça. Après, il faut être vraiment gourmand de tout et avoir les oreilles très ouvertes. Les yeux.
les oreilles très ouvertes et les yeux, oui, puisque nous sommes dans un monde d'image, mais surtout les oreilles, puisque c'est l'élément premier avec lequel on travaille. Donc c'est ça, et puis après, bon, pourquoi pas, chacun après suit sa route hein, en fonction de ses feelings. Donc soyez toujours, en tout cas, même de faire au mieux, toujours aller au mieux et avancer. Salut Jeez. Voilà, t'es venu voir la jam session. Quand on l'aime. Hein? C'est bon pour nous. C'est la première fois qu'il vient. Ah bah ça fait plaisir. C'est un grand grand freestyler. Ok. Fais ta promo là, dis-nous qu'est-ce que tu fais. J'ai rien avant de venir. Alors, vous avez fait une petite apparition sur la scène de la jam. Ouais. Pour ma part, mon avis, hein, c'était super. J'ai kiffé le flow et tout. Moi je parle de... Et donc, qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as aimé ce soir? Honnêtement, j'ai aimé... c'était au début. Il y avait un homme avec un chapeau, je ne me rappelle pas de son nom. Ouais. Qui venait de Brazzaville, du Congo, et j'ai adoré la vague, ça m'a ramené direct en Afrique. Ouais. Et j'ai kiffé parce que la scène, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que la scène pour un chanteur ou un musicien ou une personne qui aime la musique et qui a envie de faire un buff. Il n'y a rien de mieux. Bonne soirée. Ok. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu depuis okay. le 24 septembre exactement. T'es un revenant? Un revenant. Et c'était toujours okay. aussi bon. Ok. Et t'as participé ou t'étais non, juste participé? T'as participé. Tout, okay. Un peu tremblant. Ouais. Il y avait une bonne vibe. Ouais. Et puis voilà, donc je pense que les gens dans la salle ont kiffé, nous sur scène aussi on a kiffé, donc voilà quoi, le boulot est rempli.
rappeur en personne. Ok. Moi je suis le beatmaker qui produit les frangins. Ok. Partout. Ok. On travaille ensemble depuis 2 ans maintenant. Yes. On a des projets qui sortent en 2013. Ok. Ça arrive bientôt. Yes. Vous pouvez nous retrouver sur nos Facebook privés, soit 6 minutes la relève. 6 minutes la relève. M-O-N-O-X. Ok. On a un truc en commun, c'est NASA Prod. NASA Prod. Yes. On vient de créer ça, c'est encore tout nouveau, mais ça avance encore. Ok. Vous êtes de Paname ? On est de Paris. Okay. De Bagnolet, 93. Moi je suis de Bagnolet, 93-170. Okay. Et moi de Val de Fontenay, 94-120. Ok. On a été à l'école ensemble. Okay. Et depuis on se lâche pas, on est complémentaires, on va dire. Voilà. Moi j'aime trop la musique, je suis à fond dans tout ce qui est instrument. Bah, c'était bien bon, c'était bien, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Il est à fond dans le posé, quoi. Ah, faut revenir les gars. Ouais, on reviendra, ça a été une très bonne soirée. C'est tous les lundis. Marre de rapper sur des phases B. Mec, paraît qu'après le plan A, y'a le plan B. Pas clair, ton plan B. À l'aise au mic, comme un mec au mic qui graille son Sunday. Aujourd'hui c'est Sunday, les gyrophares me réveillent après la cuite de la récousse. Je ne cherche plus le soleil, mec, c'est lui qui vient me chercher. Trop d'MC sur leur sorcellement. Pendant que mon équipe monte en progression, dominant le mec, ça kick en permanence. Sur le beat, j'ai trop d'avance, les autres MC sont tellement lents. Je pourrais rapper en parlant, je fais pas du rap des salons, donc admets-le que j'ai le talent. T'es trop nassé et effarant, tu te ramasses, c'est trop marrant. Perds tes sous, je me porte grâce. C'était super. Sérieux? Franchement, c'était super. C'était la première fois aussi que tu parles. Ouais, alors ça donne envie de revenir lundi prochain, si ouais. On peut. Avec. Ouais. Ça y est. Ok. Every Monday, we love jam. C'était bon ce soir ou quoi? Comme d'hab. C'est la factory. We love jam au Caliatine. Yeah. Ce n'est que ça le lundi. Yes, ok. Tu cherches une place, c'est le lundi au Caliatine. Avec la factory afropéenne, we love jam. Yeah, man.